Dans ce court vidéo, nous allons vous montrer comment partager un questionnaire Google ou Microsoft. J'ai déjà créé un formulaire Microsoft, donc un petit test. Je vais dans Partage et je sélectionne Partager sous forme de modèle. Alors, je n'ai qu'à copier le lien. Pour un questionnaire Google, c'est un peu semblable, mais je ne vais pas utiliser le lien de partage habituel. Je vais devoir contourner, aller sur mon Drive et me créer un nouveau dossier. Et c'est ce dossier que je vais partager. Donc, je crée un nouveau dossier. Disons que je vais l'appeler Partage ENA. Mon dossier va être créé, va être prêt à être partagé. Donc, je retourne dans mon questionnaire et je vais plutôt utiliser les trois petits points en haut à droite. Et je vais choisir créer une copie. Donc, je vais partager une copie. Mon original ne sera pas affecté. Alors, voilà, c'est ma copie. Et je vais aller le porter dans le dossier partage ENA. Donc, je sélectionne mon dossier partage ENA. Voilà ici. Je sélectionne. Parfait. Comme vous pouvez le voir, encore une fois, c'est une copie. Donc, mon original est toujours intact, est toujours là, je vais le conserver. Il est ici. Donc, j'ai ma copie, c'est elle que je vais partager. En fait, je vais partager le dossier qui la contient. Donc, partage ENA, je vais simplement sélectionner avec le bouton de droite, partage ENA, et sélectionner, obtenir le lien. Là, je m'assure qu'il n'y a pas de restriction, que ça va pouvoir être lu par tout le monde. Donc voilà, je vais copier le lien. Et c'est finalement ce lien-là que je vais aller porter dans mon formulaire.